ma destinée. Vous souvenez-vous, en 2019, du grand séminaire sur le thème « Comment rendre l'impossible possible ?» Eh bien, cette année encore, l'église Impact Centre Chrétien Togo et tout le corps de Christ au Togo accueillent le pasteur Yvan Castanou, pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, pour un séminaire spécial sur le thème « Conquiers ton héritage, enfante ta destinée ». Ton destin, c'est de briller dans le monde. Quelle bonne nouvelle ! Je pousse au Palais des Congrès de Lomé du 11 au 14 août 2022. Alors, maman, papa, jeune, enfant, venons tous des quatre coins du Togo et ses environs répondre présents à cette rencontre divine. Assurément, notre Dieu veut faire du bien à nous et à notre nation. Alors, une date du 11 au 14 août 2022, à un lieu, Palais des Congrès de Lomé, un orateur, le pasteur Yvan Castanou. Bonjour à tous, merci d'être en notre compagnie. Nous sommes jeudi le 11 août. Oui, nous sommes à quelques heures tout simplement de ce magnifique programme dont vous avez tout à l'heure vu donc quand même le spot. Et nous sommes à quelques heures du grand événement de demain ici dans Nectar. Cet événement verra donc une grande affluence de vous, chers amis téléspectateurs. Et cet événement verra également une grande affluence de cadeaux sur le plateau. Cet événement verra également une grande bombance ici sur le plateau de mets succulents offerts généreusement par la famille Ataï. Alors, si vous êtes fin prêt à célébrer avec nous, si vous voulez manger tout ce que Monsieur Ataï a prévu pour demain, parce que franchement, il est en train de s'activer fort fort, venez. Vous ne serez pas dessus. Vous voulez avoir une belle photo avec Monsieur Elias Ataï demain, venez. Vous mangez, ensuite vous prenez la photo. Il a promis nourrir ne serait-ce que 120 personnes. Donc, si vous voulez participer à la célébration de l'anniversaire glorieuse de Monsieur Ataï, tu ris ou tu pleures? C'est l'émotion. C'est l'émotion. Ça fait quelque chose d'être à la veille de son anniversaire. Et en même temps d'écouter comme ça sa maman. En fait, il reste qui et qui tu n'as pas encore averti dans. C'est vrai. Parce que il est arrivé ce matin. Voilà, il est arrivé ce matin. Il dit au preneur de son. Est-ce que vous savez que demain c'est mon anniversaire? Il arrive sur le plateau. Il dit ah. Mais par quoi est-ce que j'ai averti M. Katine? M. Katine, c'est pas. Hein? Non, M. Katine, vous savez, du genre, il est très généreux. Ah, ça. C'est tout envers toi. Moi, je trouve que c'est. En même temps, c'est sa force. Et c'est en fait une faiblesse, une force à la fois. Vous voyez? Et des gens qui sont généreux comme ça. Et ouais, des gens vrai. Comme ça, moi, je les aime et on s'aime. Il y a de. Toi, tu les aimes. Il y a du respect entre. Tu les aimes. Oui, je les aime. Moi, tu je... les suis. Ouais, d'habitude, parce c'est. Parce que tu profites. C'est un monsieur à qui je dis déjà bonjour et mon anniversaire, c'est demain, monsieur Katine. Que veut dire le terme ça profite? Alors, ça profite, c'est un sapeur. Un sapeur. Tu as dit quoi déjà? Tu as dit quoi? Non, remets là. Non. J'ai pas bien écouté le mot et tout. Pour dit... l'amour de la lecture. Répétons les mots. Oh, Seigneur. Lison. Bonjour la famille. Bonjour. Lison attentivement. Là. Pour la honte de la lecture. Tu as parlé de la sape, c'est ça? C'est quoi le mot? C'est quoi ça le mot? Faut revenir. Dis quoi? Ça profite. Ah, oh, ce mot, on le connaît. On le connaît. Ben oui, c'est ça. C'est un mot que nous tous nous maîtrisons. Ce sont les gens qui aiment profiter de la sape. Des autres. Ah, désolé. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Alors, j'ai aimé ce matin, il dit... quoi? Invité, quoi? Il dit, non, il n'y a pas de souci, je vais avoir le micro, je serai invité. Et comme nous avons un artiste invité sur le plateau, prépare-toi à nous faire un petit son tout à l'heure. Bonjour, c'est mes femmes. Bonjour, maman, comment tu vas? Bonjour. L'anniversaire. Bonjour, ça fait plaisir. Ça fait bonjour. Ça fait plaisir ou ça fait bonjour? Non, mais je sais pas comment tu es si talentueuse et. Non, c'est bien, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose de vous mais avoir. Mais comment tu trouves le bon mot? Ah, toujours.
toujours, bonjour, j'ai un bagage de lecture énorme, donc ça va. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bon, on va commencer par prendre les kamikazes de demain, aujourd'hui. Donc, restez avec nous. Bonne arrivée dans Nectar. Ça va encore barder. Aujourd'hui, vous allez voir que maman est encore très pétillante de forme. Et vous réservez assez de choses aujourd'hui. Et nous aussi. Donc, nous sommes imprégnés de sa bénédiction ce matin. Donc, je vais dire encore un coucou au maman spécial. Merci de tout ce que vous faites pour vos enfants. Vous vous battez vraiment, vraiment, vraiment. Et merci pour les prières que vous faites pour nous. Parce que vous êtes vraiment, comment dire, une grande main qui nous couvre. Donc, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et rendez-vous ce soir à ICCA. Ça va barder. Mmh, au Palais des Congrès. Ouais. Voilà. Bonjour, Félix. Bonjour, maman. Bonjour, bonjour. C'est mes femmes. Bonjour, Pépé. Bonjour, Félix. Oh, je t'ai pas entendu. Salut. Mais bonjour, quand même. Bonjour. Il anticipe tout maintenant. Ah. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs et à tous ceux qui suivent Nectar. Et comme d'habitude, Nectar, on va vous servir tout ce qu'il y a de bon et de bien pour vous. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Restez avec nous jusqu'à la fin. Envoyez surtout plein de messages pour souhaiter d'ores et déjà un très bon anniversaire. Un bon réveillon. Réveillon d'anniversaire. Réveillon d'anniversaire. Ouais, parce qu'on va fêter aussi la soirée. On va fêter demain dans la soirée ou aujourd'hui? Aujourd'hui soir et demain en fait pas. Demain il y aura pas de grandes c'est quelle la vraie fête ce soir? Ouais, enterrement des années, tu vois. Des trentaines. Voilà, mais demain c'est le jour J. Demain ça va jeûner, ça va prier. Ça va recevoir les cadeaux. Ok, donc aujourd'hui c'est la fête. Oui, la fête spirituellement parlant. Ah, on ne comprend plus rien d'elle. C'est demain le jeûne. On est un peu perdu avec les masques pour le moment, donc on va laisser ça comme ça, d'accord? C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous aurons à parler de plusieurs choses. On vous fera encore découvrir des choses. On vous fera intervenir aussi, comme toujours, sur plusieurs sujets. Pour l'heure, c'est un plaisir d'être avec la famille du jour. Et nous sommes avec bébé Abraham, si je ne me trompe pas, qui est mon cadreur du jour. Mm-hmm. Nous sommes également avec... Ah Seigneur, cette famille. Il dit, je mets souvent ma soutane, je porte ma soutane et je vais dans mon moteur. Il est comme toi. Hein? Exactement. Voilà, exactement. Je vais dans mon moteur pour aller prier pour les fidèles. Prier pour les fidèles. Voilà, exactement. Donc si vous voyez, si vous voyez une soutane blanche passer, voilà. À toute allure. Pas dans une voiture, mais si vous voyez ça vraiment à l'air, là, comprenez que c'est le prêtre Victor qui est en train de passer pour aller prier pour ses fidèles. Et nous avons également le skinny, le beau, le chocoboy de la famille. On parle bien sûr de Bachana himself qui est également là. Et enfin, nous avons comme toujours le plaisir, il vient au compte-goutte, hein, mais c'est un gros plaisir pour nous. Et bon. Personne n'a remarqué aujourd'hui, moi j'ai remarqué. Quoi maman, le pull ou... Pas le pull, les chaussures de Monsieur Cathy. Moi j'ai pas fait que ça. Il faut que je revoie. Les chaussures de notre réalisateur, des chaussures magnifiques, noires, cirées, magnifiques, totalement. Ah oui, je l'ai remarqué. Ouais. La même comme j'ai remarqué elle la même elle scintillait. Non, pas comme la mienne du tout, je parlais du jour là. Elle brille, je l'ai remarqué. Mais tu sais, toi et moi on sommes très furieux des chaussures et des montres. On adore les chaussures et tout ce qui, les montres et tout ça, des chocolats, ça pour que les gens entendent. Donc tout est installé aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs, et on espère que vous allez rester en notre compagnie. Comme toujours, il est important de pouvoir dire merci à Dieu, de parler de sa grâce également. Et nous avons choisi pour vous Ben Benny Godson. C'est parti. Merci Seigneur Jésus. Ta grâce me suffit, papa.
tu te sanctifies. Je te donne gloire parce que tu es Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Je te donne gloire, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Alléluia. C'était donc Ben Benny Godson pour vous, très chers amis téléspectateurs, avec le titre « Amenou VV ». Bonjour, joyeux anniversaire à Elias. Merci. C'est merci. Monsieur aviateur depuis le Mali. Ah, Bamako. Hein, au Niger? Non, c'est Bamako, Mali. Ah, non. D'accord. Mali, Bamako. Les pattes de bœuf, est-ce que c'est lui qui a promis? C'est, non, c'est mais c'est le pays quand même. C'est le pays. C'est le pays. Ah. Ah, il représente voilà. Le Mali, dignement oui. Ce matin. On espérait avoir des pattes de bœuf pour pouvoir faire une bonne sauce pour l'anniversaire d'Elias. Donc, voilà. Il n'est jamais trop tard quand même. Non, là, tu comprendras que ce n'est pas de notre faute si demain, tu n'as rien à non, mobilisez-vous. Non, mais attends, pour, tu es pédant. Pour, hein. Pour faire honneur au pays, moi je... Oh, quel... Au pays, d'accord. Alors, voici ce que nous allons faire, Bachana. Avec toi, on va faire une chose. Oui, allez-y. On va te demander de nous donner le nom de ton quartier. À Glidji, et puis on va tout faire pour te faire une bonne sauce. Salut madame Tosou. Rapidement, parce que tu as dit c'est pour faire honneur au pays, donc on doit te faire honneur. Oui, honneur au pays. Donc le quartier, lequel? Parce que j'ai vécu dans plusieurs quartiers. Non, ton quartier. Ah, donc tu retournes à l'origine, c'est-à-dire à ma genèse, c'est-à-dire d'où je viens. Je vous ai dit, je suis Eve, Mina, je suis Daniro. Mm-hmm. Je ne sais pas si je vous l'ai dit hier. Mm-hmm. Oui. Voilà. Aniho, c'est... je ne sais pas s'il faut que je refasse l'histoire parce que hier... Non, juste le quartier. Juste le quartier. Donne juste le nom de ton quartier. Hier, je vous ai tout dit, mais on ne sait jamais. Il y en a qui peut-être ont oublié. Donne le nom de ton quartier, monsieur Atel. Juste le nom. Alors, donc, ceux qui ne savent pas, à Aniho, il y a Glidji. Oui. Mm-hmm. Voilà. Glidji, je salue Glidji. Hein, Glidji, Bodhi.
Tous ceux qui me voient de l'autre côté, enfin depuis là, je vous aime. Je sais qu'on s'aime aussi, donc voilà. Merci à la famille Ataï qui nous suit aussi. Depuis les cousins, les oncles du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria. Notre nom est en jeu. Bonjour Nectar, comment vous allez? Super. Bien. Bonne émission et excellente journée à tous. C'est Théodore depuis Atakpa. Merci Théodore. Merci Théodore. Et donc bonjour à vous tous. Bonjour. Joyeux anniversaire Monsieur Elias, vous êtes super élégant. Ah merci, c'est pour demain, mais déjà je reçois tout ça, je reçois. Un anniversaire joyeux à Elias Ataï, beaucoup de grâce pour sa vie. Émilie, toi tu es dans la famille, tu ne sais pas que c'est vendredi, tu envoies un message. Émilie, ah ok, elle prépare le terrain. Non mais en fait, tous ceux qui envoient joyeux anniversaire aujourd'hui sont exempts de cadeaux pour toi. Non, non. Donc Émilie vient de sortir du boulot. Allez, j'envoie mon message. Continuez d'envoyer des messages pour souhaiter joyeux anniversaire à Monsieur Elias. Alors bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Super. La bonne ambiance et la chaleur comme d'habitude ils sont. Juste vous souhaiter bonne émission. Je profite pour faire un clin d'œil à ma chérie Sharifa du côté de Lomé. Sa Majesté Elias, pour contribuer à l'anniversaire du siècle, on fait comment? Dieu vous protège. C'est Monsieur Amar depuis Sokodé. Ah, il y a de belles questions comme ça qui viennent. Des questions comme ça qui te boostent, qui te permettent encore d'avoir de l'énergie, qui te disent. Réponds, en fait. Faut vite te répondre. Hein. Okay. Alors, le numéro, il est juste en bas de l'écran. Je ne sais pas si vous le voyez si bien. Donc, par ce numéro, envoyez tout ce que vous pouvez envoyer. Sinon, écrivez aussi sur mes pages, hein, mes comptes sociaux. Il n'y a pas de problème. On viendra récupérer nous-mêmes. On vous dérangera. La personne n'est pas allumée. Il n'y a pas de problème. Qu'elle écrive donc sur le numéro, le 93, là, qui est à l'écran. Écrivez. Il y a des chauffeurs de 9 places, des chauffeurs de 15 places, des chauffeurs de 60 places, des bus et tout. Convoyer, il y a du convoyeur. Ce sont des bœufs, tu penses qu'on va t'offrir? Ben pourquoi pas aussi? Parce que c'est en même temps, ça dit, c'est une étape plus grande de la vie. Et donc, il faut que les cadeaux soient alors, aussi grands. C'est vrai que demain, quand même, il ne faut pas l'oublier, nous allons malheureusement commémorer le décès de Didier Arafat. Didier Arafat qui nous a quittés le 12 août. Triste. 2000. C'est triste. Il est parti il y a 2000. Ça fait 3 ans. 19. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. J'ai dit, des fois même, c'est à peine, il voit ma photo sur les statues. C'est-à-dire que, alors, il y a ce plein, il dit que beaucoup de ses connaissances, depuis 3 ans maintenant, ne mettent plus ses photos sur statues. On ne met que la photo, voilà, RIP de Didier Arafat. Donc, s'il vous plaît, demain, faites un effort. Soyez indulgents. Voilà, soyez indulgents et mettez les photos donc, de Monsieur Ataï. Bonjour le plateau. Bonjour. Jamal depuis Tchamba. Pour vous dire que vous êtes mignon, un coucou spécial à Bachana et à Elias et joyeux anniversaire à lui. Merci Tchamba, merci beaucoup pour bonjour le soutien. Bonjour à toute l'équipe du jour, c'est Monsieur Soulé depuis Niamey. Merci Monsieur Niamey. Monsieur Soulé depuis Niamey. Ok, c'est un lapsus anniversaire. Ça arrive. Alors, merci Monsieur Niamey depuis Soulé. Dit comme ça, c'est drôle. Bonjour Nectar, vous êtes tous super ce matin, surtout Elias, la sapologie, l'élégance. C'est Géraud depuis Agouès, au Bocito. Merci beaucoup, Monsieur Géraud. Monsieur, madame. Alors bonjour, comment bonjour. Vous allez? Super. Très bien. Bon et heureux anniversaire Monsieur Elias Ataï, surtout santé et longévité à toi. Bonne suite d'émission avec mes gigas, bisous chocolatés. Merci Monsieur Mola. Merci Monsieur Mola. Monsieur Mola est une très bonne personne qui fait aussi fait parler son cœur. Vous savez ce monsieur, lui et moi avons une grande histoire, une longue histoire. Je sais quand même il est un que peu comme Monsieur Cathy pour toi. Oui, c'est une tradition qui va pas déroger demain ou ce soir, je sais pas. Bonsoir, bonjour plutôt Monsieur. On peut encore comme Mola. Monsieur. Bonjour la famille. Bonjour. J'aimerais que vous vous joigniez à ma voix pour dire merci à Dieu parce qu'il m'a fait grâce d'un an de plus aujourd'hui. C'est Claire depuis Cara. Bon anniversaire, Claire. À mon frère Doute, Elias, longue vie à vous. Merci Claire. C'est Claire, Clarisse. C'est le nom du calendrier. Hein. Merci Claire. La sapologie. Oh là là, la souffrance. C'est hommage à toutes les matières qui ont été mobilisées pour moi ce matin, Seigneur.
Bonjour Nectar. Vous êtes tous splendides ce matin, bien de choses à vous tous. Et heureux jour de naissance à Monsieur Elias et Claude Agitato depuis Palumi. C'est demain l'anniversaire de Monsieur Elias. Demain, en tout cas. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous suis depuis London Wope, depuis Dagué. Voilà. Joyeux anniversaire, le grand Elias et bonne émission. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, c'est Babaka depuis Badou. Ok, Badou. Mm-hmm. Bonjour Nectar. Bonjour. From Kojobikoku et son mari Ekwe Kanley dit Anator. C'est ça? Peut-être c'est le nom de famille qu'elle a mis. Non, c'est Anator. Anator. Depuis FCT Abuja au Nigeria. Ah, ouais. Bonjour et happy birthday to Mr. Elias. Merci beaucoup. Thank you. Mm-hmm. Alors bonjour Neta, Anya Yaovi Deladem depuis Abuja au Nigeria. Heureux anniversaire à Elias. Vous êtes tous beaux sur le plateau et merci pour tout ce que vous faites pour la télévision mère. Et merci. Ça pleut, et ça pleut, et ça pleut. Alors bonjour. Bonjour. Bon anniversaire à Elias dit Noël. C'est vrai? Oui, Papa Noël. Comme c'est réveillon de l'anniversaire aujourd'hui, de la part de Gloria depuis Cotonou. Merci, merci beaucoup Gloria depuis Cotonou. Cotonou, une très belle ville aussi. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais demander à Monsieur Elias, comme il est dans le droit des enfants, quel est l'orphelinat qu'il va visiter demain? Alors, ça c'est une question qui me fait... Pertinent. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il faut dévoiler tout le programme de demain tout, parce qu'il y a plusieurs activités qui vont être faites, ça rassurez-vous, que ce soit par ma personne, que ce soit par mon association, ou que ce soit même par des groupes, hein, un centre de formation qui m'a invité demain pour une prestation et tout. Donc rassurez-vous, c'est un programme bien chargé pour servir l'humanité demain. Voilà. Voilà, c'est un programme bien chargé pour servir l'humanité demain. Et on a deux témoignages sur lesquels on voudrait rapidement faire intervenir. Non mais pourquoi en fait c'est la phase. Il manquait que... juste le amen à la fin. En fait, à chaque fois qu'il finit, tu prêches. Ouais, si ça peut convaincre des gens, si ça peut toucher le cœur des gens à la maison, on est partant, c'est ça. D'accord. Beaucoup de 12 août dans sa life. Cornelia depuis Baguida. Merci beaucoup. Merci Cornelia. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Joyeux anniversaire à Monsieur Elias et surtout beaucoup d'enfants. Combien est-ce que vous en voudrez? Moi, je vous en souhaite 9. Abraham dit 5 pour toi. Et toi, Victor? 2. Ouais, merci. Victor, il est bon. Les chaussons quoi? Du corset. Non, en même temps. Elias, ouais, tu aimes beaucoup les enfants. Ouais, bien sûr, moi j'aime beaucoup les enfants. Hein. J'aime beaucoup les enfants et ce que Dieu donnera, on prendra. On va pas être là à faire des calculs. Non, sir. Now you take anything that comes to you. Pourquoi mes réponses vous les recevez comme des calculateurs. D'accord. En tout cas, c'est ça sera un plaisir d'avoir énormément de petits Elias dans la famille. Quoi. Ah ouais, quand même. Ça peut nous faire du bien, ça ne peut que nous faire plaisir. Grand-mère, donc quand même. À notre niveau, il n'y a vraiment pas de souci. Alors, nous avons bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce bonjour. Que vous allez? Super bien. Je vous aime tous et je vous embrasse. Formidable votre émission, beau décor et belle réalisation, bien sûr. On ne peut pas porter des chaussures pareilles et puis ne pas faire une magnifique réalisation. Ah, ça, c'est vrai. Je dis, si quelqu'un peut nous prendre en photo les chaussures de notre réalisateur, vous allez voir de quoi on parle. S'il vous plaît, une photo. Une photo. Ouais. Quelqu'un? Allez, on t'envoie, Elias, vu que c'est ton gars. Oh, oui, mais en même temps, c'est pour prendre et montrer. Il n'y a pas ce pouvoir. Il n'y a pas le pouvoir de faire photo. Non, on peut prendre photo ensemble, lui et moi, à la fin. Parce que c'est un monsieur que je dois exposer, que le monde connaisse et tout. Donc, déjà qu'il est connu, il faut que, voilà, ensemble, on va se mettre en photo. C'est promis. Vous pouvez vous mettre en photo? Se mettre en photo, c'est-à-dire on va nous prendre M. Cathy et moi, M. Bachana et moi, tous les preneurs de son, on va faire des selfies avec Victor et toute l'équipe, on fera « Youh !»
voyez, ce cri que vous faites souvent pour les photos là. On va donc faire la photo et moi je vais poster sur mes comptes sociaux demain ou même ce soir pour voilà pour remercier tous ces gens là qui ont permis que Elias soit Elias aujourd'hui. Et bien ça, sûr, avec maman on fera une belle vidéo et Félix et autres. Vidéo de quoi? De contribution de cette vidéo là qui va inciter les gens à faire quoi? À faire des cadeaux, bien sûr. Non. Alors. Bonjour à vous tous. Bonjour. Merci de nous faire rire à la famille. J'ai besoin de votre aide et j'ai appelé, mais vous n'avez pas décroché. Voilà. Le téléphone reste souvent avec Elias et donc c'est Elias qui est très occupé et qui ne joue pas bien son rôle de réceptionniste. De réceptionniste, voilà. Alors voici mon souci et j'aimerais vraiment que vous puissiez m'aider, s'il vous plaît. Surtout la sagesse du grand Bachanga. C'est toi, Bachanga. Ah, ok. Voici mon souci. Je suis mariée depuis 2 ans et la sœur de mon mari est revenue du Maroc. Nous habitons ensemble à la maison. Depuis quelques semaines, j'ai remarqué que la sœur de mon mari me fait des avances. Je ne sais pas trop comment prendre ça, mais au fur et à mesure qu'elle me dit des choses, je commence par ressentir quelque chose pour elle. Je voudrais, même si je n'ai jamais tenté l'expérience pour voir ce que cela peut donner. Je voudrais demander donc à Bachanga si, parce que c'est la sœur de mon mari et pas le frère, on peut dire que c'est un inceste, et si là-bas aussi on peut dire qu'il y a infidélité. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils. Je ne suis pas très âgée, j'ai 26 ans. Ah. Et je suis secrétaire bilingue, point de suspension. Okay. Voilà. Bon, je n'ai pas bien saisi là-bas. Ah, c'est la sœur de qui? La sœur du mari. La sœur du mari. Oui. Qui est revenue du Maroc. Et qui lui fait des avances. Voilà, qui est tombée amoureuse. Qui donc. Fait avance à qui? La sœur fait l'avance au mari à la femme de son frère. Bon. La sœur fait des avances. Ah. À la femme de son frère. De son frère. Ouais. Comment ça? c'est l'amour fraternel. Non, mais... c'est pourquoi elle dit qu'elle n'a jamais fait ça, elle veut tenter l'expérience. Ah. Femme. Non. Non. Tout de suite, je lui dis d'arrêter. De ne pas se lancer dans cette histoire. Elle n'a qu'à se ressaisir et continuer sa vie, trouver un homme pour elle-même et c'est fini. Ah non, mais elle a déjà son mari en fait. Non. Non, c'est la sœur qui écrit, je crois. Non. C'est la sœur qui écrit. C'est la sœur qui écrit. C'est pas la sœur qui écrit, c'est la femme qui écrit. C'est-à-dire que je donne un exemple. La femme de Félix dit que la sœur de Félix est rentrée du Maroc. Et lui fait des avances. Oui. Donc elle n'a jamais. Voilà. Maintenant, elle est tentée. C'est-à-dire, elle va tromper son mari. Elle demande est-ce que si elle peut. C'est une femme. Non. Maintenant, laisse-moi finir la question. Non. La question. Faut même pas finir. Faut même pas finir. Faut même pas terminer la question. D'abord, elle-même, elle sait que c'est pas bien. C'est pourquoi elle demande conseil. D'abord, elle sait que c'est pas bien. Donc, elle n'a qu'à s'arrêter à son mari et c'est fini. Et si la sœur continue, bon. Est-ce qu'elle en parle au grand frère? Bien sûr. Si elle continue, elle n'a qu'à l'avertir. Si elle continue, avertir ton mari et puis le problème, le tour est joué. Ah, donc oui. Elle avertit son mari. D'abord, elle avertit la sœur que si elle continue, elle le dira à son mari, à son frère.
Et si elle n'arrête pas, bon, elle peut dire à son mari et il pourra régler ça. Ah oui. Alors, les autres ne sont pas d'accord sur le plateau? Non. Mais pas? Vas-y. Oh non, bonjour. Moi, Félix plutôt. Non, Félix, j'ai encore commencé. Félix, pas d'abord. Moi, je vais répondre à une de ces questions. Elle demande si c'est... L'inceste ou bien... Oui, non, surtout l'autre question, elle demande si c'est avec une femme, est-ce que c'est toujours de l'infidélité? Oui, c'est de l'infidélité à votre mari. Donc, la question ne se pose pas, que ce soit avec un autre homme, avec une femme, je sais pas, avec des enfants, avec des animaux, c'est infidélité. Vous avez trahi la confiance de 8 gens, c'est pour exagérer. Que quel que soit le... C'est infidélité à votre mari. Donc, ce que vous... Ce qui vous tente là, c'est de l'infidélité. Ça, d'abord, il faut le préciser. Maintenant, si vous avez envie d'essayer l'expérience, pourquoi? Est-ce que vous aviez déjà pensé à ça avant? Ou c'est juste parce que c'est disponible, genre, on vous le propose, que vous êtes tenté de le faire? On dit souvent que tout est permis, mais tout n'est pas profitable. Donc, demandez-vous vraiment qu'est-ce que vous recherchez en fait en voulant tenter cette expérience-là. Juste pour dire que je l'ai déjà fait, je l'ai essayé. Est-ce que ça vaut la peine de mettre votre mariage en péril juste pour le plaisir d'avoir fait cette expérience? Posez-vous ce genre de questions et puis la décision sera facile à prendre. Bon, moi, je dirais que si elle se met dans ça, elle ne va pas sortir. Parce que c'est... Genre, comme elle dit, je vais aller juste goûter. Oui, en fait, quand tu vas goûter, c'est que tu vas rester. Tu vas prendre goût. Parce que déjà, on est en train de la côtoyer. Elle est en train d'aimer. Courtiser plutôt. Elle est en train d'aimer. Sinon, elle n'aurait pas envoyé ce message. Elle est en train déjà d'aimer, en fait, tout ce que la femme lui dit. Peut-être même qu'elle a déjà touché une fois. Maintenant, elle veut aller plus loin. C'est ce qui l'a fait penser, c'est ce qui l'a amené ici. D'accord? Maintenant, moi, je vais te dire, si tu veux aller sur ce angle-là, moi, je te dirais non. Parce que si tu vas là-bas, tu vas plus vraiment aimer ce que ton mari te fait. OK? Parce que tu es déjà marié, hein? Et elle, c'est la femme de ton mari. Elle, plutôt la petite sœur de ton mari, mais la grande, la petite sœur de ton mari. Déjà, c'est de l'infidélité. Tu parles d'inceste, c'est de l'inceste. Parce que c'est dans la même famille, ils ont le même sang, et vous vivez dans la même maison. Déjà, ça, c'est du gâchis. Tu gâches déjà ton mariage. Qu'est-ce que dit comme c'est dans la même famille, ça se passe en famille, c'est clos et tout? Non, pas question. Il faut porter du respect à soi-même. Et ça fait porter du respect plutôt à son conjoint et ainsi à son couple. Parce que madame nous a dit la dernière fois, il y a toi, il y a ton mari et puis il y a le couple. Mais pour que ça puisse aller plus loin, il faudrait que toi, tu portes un respect à ta personne. Maintenant, je peux te conseiller de prendre de la distance de cette dernière et essayer de plus t'accrocher à ton mari. C'est mieux que d'être... Bon, sûrement que le monsieur sort de la maison, des fois. Forcément, il faut qu'il sorte tout. Pour travailler. Ouais, et elle aussi. Mais quand vous rentrez plus tôt, essayez d'être bien distant de cette dernière pour qu'elle ne puisse pas prendre davantage sur vous. Peut-être que des fois, vous êtes un peu down moralement, mais là où elle peut trouver... Elle se dit qu'elle est là pour, la relever et tout, et ça peut causer des choses. Et tout ça. Ouais. Donc, ce qui fait qu'elle a peut-être une voie pour pouvoir vous atteindre. Mm-hmm. Donc, essayez de mettre des barricades fait, pour ne pas tomber. Sinon, vous allez vraiment, vraiment le regretter. Non, mais je pense que les frères et surtout l'oncle, là, ils ont tout dit. Hein. Plus besoin de l'ajouter, sinon, voilà, soyez vigilantes, parce que rien ne vaut l'amour dans le couple. Mmh. Alors, nous avons donc Mad Vegas depuis le Burkina qui souhaite un joyeux anniversaire à Elias, que le Seigneur t'accorde tous ses désirs. Merci, Burkina. Alors, pour notre témoin, si elle tente, elle met le feu dans son foyer, même dans sa vie. Attention au piège du diable de la part de Rigobert.
depuis le Bénin. Merci Rigobert. Bonjour Nectar. Bonjour. Joyeux anniversaire. C'est à Monsieur Sapology. Où est Naïda? Naïda fait un petit voyage. Elle sera bientôt de retour. Ouais. C'est Salom Praise depuis Niamey. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kossi depuis N'Djamena. Joyeux anniversaire à Elias. Merci, merci. Monsieur Kossi. Alors déjà, je pense que si elle pose la question, c'est parce qu'elle est tentée. Mmh. Il ne faut pas être tentée par ces choses-là. Ton mari ne va jamais détruire sa relation avec sa sœur. Elle peut se secouer, mais elle ne se brisera pas. Mmh. Mais toi, il va te chasser définitivement. Ouais. Alors fais attention à toi. Il n'y a rien de bon dedans. Merci. Maintenant aussi, il y a trop de femmes qui mentent. Elles sont pour la plupart comme ça, mais elles le cachent. Mmh. Bon. Alors, bonjour l'émission, c'est l'infirmier Pierre au CMS Timbu. S'il vous plaît, c'est femmes et femmes qui se parlent ainsi. Oui, bon. Discussion pas mal. Discussion pas mal. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Ambroise Ataï depuis Atié-Goulomé. Voilà. C'est la famille Ataï. La famille souhaite un joyeux anniversaire à mon grand frère cousin influenceur. Le cousin, il a compris. Cousin Ambro, tu as compris. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour. C'est un démon qui veut détruire ton couple. Parle-en à ton mari et chassez-la vite fait. Que Dieu te protège. C'est Bright depuis Cara. Merci Bright. Infiniment. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous salue tous et je voudrais partager ceci avec vous également. Lorsque j'ai eu mes 18 ans, 20 ans en allant, j'ai été séduite de la même manière par une... maman, amie de ma mère. Ok. Avec qui nous avons eu quelques relations. Uh-huh. Et je peux vous assurer qu'elle m'a inondé d'argent, mais moi qui n'avais jamais échoué, j'ai échoué pendant plus de 10 ans. Avant que la chance ne revienne me visiter. Mmh. Dites à votre témoin de faire très attention. Parfois, ce n'est pas juste que la personne a du désir pour vous, parce que la personne veut voler quelque chose que vous avez, comme votre étoile. Oui. Bon, ok, d'accord. Ouais. Merci infiniment pour le message. Je crois que notre témoin a compris vraiment. Et... parler à son mari, comme l'ont dit les uns les autres, comme l'a dit Bachana, c'est apprendre avec des pincettes. Peut-être que vraiment. Félix n'est pas d'accord. Non. En fait, non. Qu'elle parle à son grand frère, à son mari, pardon. Non, je ne suis pas d'accord. Oui. Moi, je suis plus pour ce que ce Mifa disait, prendre la distance. Ouais, prendre la distance. Dire ça au grand frère. Bon, elle va dire quoi? Que... sa petite sœur la dérange. Attends, ton grand frère connaît les penchants de sa petite sœur. Oui, non, je refuse. Non, je refuse pas. Ce que je dis, c'est que elle va aller accuser sa petite sœur parce que là, elle-même semble aimer. Donc, attention à ce qu'elle va aller dire à son mari. Il ne faut pas qu'elle aille mentir là-bas. Okay. Elle-même, elle semble aimer. Si elle doit dire. Non, si jamais elle va dire à son mari, écoute, je commence pas à ressentir quelque chose pour ta soeur, c'est ça là, c'est à moi. Oui, mais elle va pas dire ça non plus. Donc elle va pas dire toute la vérité à son mari. Donc je préfère qu'elle aille se faire suivre par quelqu'un qui va l'aider d'abord à se poser elle-même les questions qu'il faut. C'est la soeur de son mari qui est en train de l'amener vers là. Oui. Non, au début, elle n'aime pas. Non, il faut savoir qu'il y a certaines femmes qui ne se connaissent pas avant d'entrer dans le foyer. Donc, quand il y a certaines choses qui arrivent, là, elles se découvrent. C'est pourquoi il est dit, certaines personnes disent, c'est mieux de te connaître vraiment avant d'entrer dans le mariage. Parce que comme ça, tu sais ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas.
Tu vois? Là, on est dans le contexte, c'est la petite sœur de son mari. Si c'est une autre femme un jour. Ça ne doit pas arriver. Mais non, le truc, c'est que... Donc, il faudrait qu'elle se pose elle-même les bonnes questions en même temps et sache sur quel pied elle est. Oui, on ne refuse pas. Mais quand on parle de causer avec son mari, si elle et son mari, la relation est assez... Bon, base amicale jusqu'à là où ils sont. Une intimité pas possible. Là, tu peux parler, mais d'une manière à bien camoufler ce que tu as. Peut-être, chérie, comme ça, je vois que ta petite soeur est en train de voir. De toute façon, elle me regarde des fois bien, regarde des filles, elle dit des trucs. Bon, il faut avoir une manière, en fait, de lui dire afin qu'il puisse appeler sa soeur. C'est très risqué. S'il appelle sa soeur, parce que je suis sûr que ces deux femmes ont déjà eu des discussions. Et si la sœur insiste, c'est parce que peut-être elle n'a pas donné un nom catégorique. Donc la sœur aussi va donner sa version des faits. Non, je dis pas d'aller dire. En même temps, il y a un message qui a dit le frère et la sœur, jamais il y aura de coup. Non, oui, c'est ça. Oui, donc du coup, si la sœur donne sa version des faits, son frère peut-être va plus croire sa sœur. Je ne dis pas d'aller parce qu'elle n'est pas innocente. Faut pas qu'on va se cacher. Jeanne n'est pas innocente dans cette sphère. Si elle était innocente, pourquoi tu dis qu'elle n'est pas innocente? Oui, si elle était innocente dès le départ, elle dit un non catégorique. Je ne veux pas. Non, elle ne dit pas je ne veux pas. Elle semble. Il y a des femmes qui sont comme des hommes. Là, ce qui la retient, c'est la peur. Attends, il y a des femmes qui sont comme des hommes. Quand tu dis non là, elle continue. Pour le moment, elle est innocente. Elle sait ce qu'elle veut. En plus que vous vivez dans la même maison, elle te regarde tout le temps. Oublie ça. Félix. Elle chaud, plateau. Pour moi, ce qui la retient actuellement, c'est la peur. Elle ne sait pas si c'est une bonne chose, qu'est-ce que ça va rapporter. Mais. Oui, c'est la peur qui la retient. C'est mes phares. Envie d'aller plus loin. Pour le moment, elle est innocente. Pour le moment, elle est innocente. Ah, c'est pas sûr. Non, pour le moment, elle est innocente. Moi, je dis que pour le moment, elle est innocente. C'est pourquoi elle cherche de l'aide. Maintenant, pour des choses comme ça, faut jamais être doux avec ces genres de personnes. Il faut être catégorique. Il faut être catégorique. C'est ça, belle-sœur. Avertis ta belle-sœur. Très, très catégorique. D'arrêter. Si elle continue, tu risques de dire à son frère que c'est comme ça. Et si elle refuse, vas-y vers ton mari et dis-lui, c'est l'occasion à ton mari de connaître mieux sa sœur. Est-ce qu'on peut parler aussi sur un plan spirituel? Écoutez quand même la question qu'elle a posée. Elle n'a pas demandé, montrez-moi comment dire un non catégorique. Montrez-moi comment la repousser. Montrez-moi comment. Elle n'a pas posé cette question. Elle demande si je fais ça, est-ce que... Parce qu'elle pense déjà à faire ça. Oui. Elle est en train de faudrait qu'elle soit honnête envers elle-même. Il y a un esprit maléfique, peut-être, qui est en train de... Oui, il y a des gens qui n'arrivent pas à se décider. Oui, il y a ça. Donc, quand tu te présentes devant la personne, quel que soit ce que tu dis, la personne accepte tout de suite. Mais Marie, les personnes qui sont faibles de caractère, tu veux dire. D'accord. Mais peut-être qu'elle a besoin de délivrance. Non, mais quand même. Le prêtre. Avant le prêtre. Même d'arriver à la délivrance, il faudrait qu'on parle, en fait. Moi, je ne dis pas d'aller dire ta soeur me drague. Là, présentement. Moi, je fais quoi? Qu'elle soit honnête envers elle-même. D'abord, c'est-à-dire qu'elle reconnaisse qu'elle a envie de le faire. C'est peut-être quelque chose genre... Je ne sais pas s'il y a un intérêt derrière. Elle, sois honnête avec. Qu'est-ce qui me pousse à me poser cette question? Pourquoi je n'ai pas dit non tout de suite? Quel intérêt? Est-ce que j'y pensais avant? Mais si on rejoint la théorie de Semefa, par exemple, elle a dit non, mais malgré ça, la sœur continue d'insister parce que elle sait ce qu'elle veut. C'est que tu peux lui dire, ça veut dire que je n'aime pas ça. Pour aujourd'hui, la personne se rétracte. Demain, elle revient à la charge. Demain, je vais t'avoir à l'usure. Donc, moi, ça, c'est ce qu'elle cherchera maintenant, c'est comment dire non catégoriquement. C'est comment repousser de manière définitive sa religion, prendre ses distances. Et c'est là le mari aussi peut intervenir. Oui, en fait... Quand ça touche au mari, ça devient compliqué. Non, quand on dit de dire à son mari, ce n'est pas d'aller dire que comme ça, la personne se me drague. Non, tu fais comme tu fais un constat. C'est un constat que tu fais, que ta soeur, elle revient avec des femmes. Elle a touché ma taille hier. Ouais, est-ce que comme ça, en fait, c'est le truc minime. Et le mari va appeler sa soeur pour lui poser la question. Non, mais le mari, ça, je n'appellerai pas la soeur en même temps. Devant toi, non. Oui, non.
va appeler sa soeur, essayer d'investiguer auprès de sa soeur pour savoir ce qu'il y a. Oui, il va investiguer, mais quand tu as un grand frère, il y a une manière de causer avec sa petite soeur. Et quand il y a des mots que tu ne vas pas dire directement de tes enseignants, et sache que c'est ta femme qui a glisser un mot rapidement. Le mari sage n'appellerait pas la petite soeur. Oui. Mais il va trouver le moyen de la faire quitter la, de lui faire quitter la maison. Ou il va avoir vouloir avoir des preuves, maman. Oui. Suivre aussi pour voir s'il constate les mêmes choses. Mm. Parce qu'avant d'agir, il faut quand même avoir des preuves suffisantes. Ouais, et ça, là, après, peut-être qu'il pourra dire à la sœur de retracter. Lui dégager, si je peux me permettre cette expression. Mm. Voilà. Si possible, elle peut enregistrer leur conversation. Why not? Pourquoi pas? Si bien sûr, elle-même ne veut pas. Je reviens à ce que Félix dit. Ah ouais, si elle ça c'est pas fou. Si dans le capture. Alors, bonjour, ça ne doit pas être difficile à dire. Elle doit parler à son mari d'abord. On ne sait jamais, la belle-sœur peut mentir à son grand frère que c'est sa femme qui lui fait des avances. Mmh. Une de mes cousines a été victime et jetée dehors avec deux enfants. C'est tout récemment, nous avons su la vérité que la belle famille ne voulait pas d'elle aux côtés de leur fils. Donc l'homme demande pardon chaque jour à ma cousine. Mais bon, c'est vrai qu'il faut prendre vraiment avec beaucoup de sagesse. Alors bonjour la famille, je vous assure que Félix est trop intelligent. C'est vrai. Ses réflexions me touchent beaucoup. C'est Momo Techno de Pogan Djavedi. Ouais, depuis Djavedi, soyez touchés. Djavedi, c'est où? Alors, bonjour Nectar, Dada Semefa. C'est vrai, vous avez raison. Elles sont déjà le goût de ça. Ah, bon, d'accord. Non, mais bon. Rien ne Alors, prouve, bonjour le plateau. Quand j'entends Félix dire qu'il ne souhaite pas que la femme en parle au mari, il oublie qu'il est un homme. Peut-il accepter cette situation dans son couple? C'est Steven Lebon depuis Cotonou. Alors, bonjour à vous tous. Que la femme dise tout à son mari, c'est la meilleure solution pour arrêter l'hémorragie. Sama Abou Latif depuis Sokodé. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Soyez bénis. Quand le diable te tente et que tu arrives à parler, c'est que le diable est vaincu au nom puissant de Jésus. Amen. C'est un gros amen comme ça on donne. Madame, tu es délivrée, mais on garde ta belle-sœur et si elle continue, tu en parles à ton mari. Joyeux anniversaire au mannequin Elias. Merci infiniment. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Que notre sœur soit vraiment vigilante et spirituelle. Son problème, l'esprit mauvais veut passer par la sœur de son mari pour gâcher son foyer. Claude. D'accord, merci monsieur Claude. Merci. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Si elle goûte, ça fait quoi? Une expérience pour mieux comprendre comment mieux prendre soin de son mari. Ne faut-il pas tout tester dans la vie? Je préfère qu'on demande l'avis du psychologue Saf. Il n'est pas là aujourd'hui. Et vous savez, c'est pas le temps, le problème. Elle a parlé d'infidélité. Moi, je me penche sur ces deux aspects, infidélité et inceste. C'est de l'inceste, que ce soit sa soeur ou son frère. Ça aurait été le frère. C'est de l'inceste. C'est pas bien. Et c'est de l'infidélité aussi. Donc, pourquoi se marier si c'est pour pratiquer l'infidélité doublée de l'inceste, en fait? Ça sert à rien. Deux chapeaux. Non, non. Bonjour, écoutez bien le sens de Félix. Dans leur discussion, la sœur peut dramatiser les choses à la rencontre de la femme. Gloria depuis Sokodé. Bonjour la famille. Bonjour. Alors, je souhaite à Elias ce qu'il y a de bon en cet anniversaire. Quant à la dame, j'ai l'impression qu'elle se cherche. Alors qu'elle soit honnête, plutôt honnête avec elle-même et ensuite avec son homme. Et si elle est croyante, qu'elle fasse un cœur à cœur. Radieuse journée depuis Libreville au Gabon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bonjour beaucoup. Nectar. Bonjour. Bonjour. Moi, je ne comprends même pas cette histoire d'avance entre belle-fille et belle-sœur. Pour moi, c'est de la haute sorcellerie. La belle-sœur veut juste détruire la vie de sa belle-sœur. Que cette dernière se ressaisisse le plus tôt possible. Joyeux anniversaire au gentleman. Merci beaucoup. C'est Jean-Claude depuis Niamtougou. Merci. Hein. Merci de plus. Vous en envoyez beaucoup. Gentiman. Et bonjour, je ne suis pas d'accord que la femme en parle à son mari. Oui. Cela dépend de la maturité du mari. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Ça, c'est vrai aussi. Il a raison, totalement. Si le mari n'est pas mature. Ce que je disais avant, s'il n'est pas mature, il va appeler la sœur, après, etc. Il y aura beaucoup de problèmes. Donc, prudence. Face à face, qui ne va pas être bon du tout. Ça ne va pas être bon du tout. OK. D'accord, merci infiniment. Et j'espère que vous avez écouté tous les
Il y en a beaucoup. Hein. Vous avez écouté tout ce qui a été dit et que vous saurez vraiment comment pouvoir faire un choix. Ne blessez pas votre mari. C'est important. Souvent, les femmes, on se plaint. Mon mari est ci, mon mari fait ci et ça. Mais dans cette situation, vraiment, quel que soit ce que vous allez faire, si vous penchez de l'autre côté avec la belle-sœur, vous allez blesser vraiment votre foyer. Cela ne servirait à rien. Ne le faites pas, je vous en prie. Voilà, c'est un cri du cœur. Et le deuxième témoignage. Bonjour à vous, Nectar. Bonjour. Bonjour à toute la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ? Super bien. Alors, j'avais décidé que je viendrais une fois à Lomé pour pouvoir vous rencontrer et parler directement. Mais je n'en peux plus, alors je vous envoie ce message. Cela fait maintenant quelques mois que j'ai... Que j'ai donc emprunté de l'argent à la maman de mon mari. Ma belle-mère qui est au marché de Legbacito. C'est où ? Ouais, c'est... Amanda Homer, Legbacito, Sagbado. Elle est passée chez... Ok. Elle est passée chez nous et quand elle repartait, mon mari n'était pas là, il était parti travailler. Elle m'a demandé de lui faire un prêt. Prêt que je lui ai fait de 300 000 francs, pour, 350 000 francs, excusez-moi, pour qu'elle puisse rehausser son commerce. Lorsque cela a été fait, elle m'a dit qu'elle allait me rembourser. Et à la date prévue, lorsque j'ai appelé pour la rembourser, pour lui demander le remboursement, elle m'a dit que si c'était ma propre mère, est-ce que j'aurais demandé ça ? Que je suis impolie parce que je n'ai pas attendu qu'elle-même m'appelle pour me remettre l'argent. J'ai attendu encore 3 mois, elle n'a toujours pas fait signe. Et lorsque nous sommes arrivés à Lomé tout dernièrement, j'en ai profité pour l'appeler à côté pour lui demander s'il était possible qu'elle puisse ne serait-ce que m'avancer la moitié. Elle m'a dit « Ok, d'accord ». Le lendemain, quand moi je suis sortie faire les courses, j'ai vu qu'elle n'était pas encore réveillée. Quand je suis rentrée, il y avait mon mari, elle et le frère. Bon, elle a mis le frère, on ne sait pas le frère de... Ah ok, le frère de maman, c'est-à-dire que l'oncle du mari, c'est ça ? Oui. Ils étaient en réunion. Mon mari, dès que je suis rentrée, m'a giflé, m'a dit que j'étais impolie, que je n'avais pas à insulter sa maman, que 300 000 francs c'était quoi ? Que ma dot était allée jusqu'à 550 000 et qu'il n'a même pas diminué quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il m'a mise à la porte. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Dois-je aller demander pardon à ma belle-mère ? Non. Quoi ? Félix, on commence par toi avant d'aller avec Batchan. Est-ce qu'elle a insulté la belle-mère ? Non. Bon, elle dit qu'elle a appelé pour lui demander. Est-ce que dites-nous rapidement, je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement ? Voilà. Si elle a insulté sa belle-mère, elle peut demander pardon pour les insultes qu'elle a faites à sa belle-mère. Mais elle ne va pas s'excuser pour avoir réclamé son argent. Ça, c'est ça sort du sens. Elle ne va pas s'excuser pour avoir réclamé son argent. Si vous avez insulté, c'est une offense, vous devez demander pardon. Mais si c'est juste parce que vous avez réclamé votre argent, que votre mari vous gifle et vous met dehors, tu disais tantôt que... Tu permets là. Okay. J'ai juste eu à demander l'argent. Je ne l'ai pas insulté. Moi aussi, j'ai eu une maman. Sauf que elle dit le contraire. Mon mari la croit. Quel que soit ce que je dise, mon mari croit sa maman. Mais tu disais tantôt que d'aller quand même le faire pour préserver son foyer. Je demande, c'est de quel foyer on parle ? Un foyer dans lequel votre mari ne vous croit pas ? Votre mari. Par exemple, elle vient de dire qu'elle a une maman, donc elle ne peut pas insulter la maman de son frère. Donc, votre mari ne sait pas que vous êtes ce type de femme qui ne peut pas insulter. Votre mari ne vous connaît pas et ne fait pas l'effort de vous connaître. Donc, de quel foyer parle-t-on, quoi ? Moi, ce que je voulais dire, c'est
qu'il faut tout faire, c'est ma philosophie à moi, il faut tout faire pour préserver ce qui nous est acquis aujourd'hui. Et je considère ce foyer ou cette relation dans laquelle elle est comme étant déjà acquis. Et ici aujourd'hui, un problème pareil, causé par la maman de son mari, se pose. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul. Félix, mets-toi dans la peau de cette dame à qui on prend 350 000 sur un bon moment et qui va réclamer cette somme. Mets-toi vraiment dans sa peau pour voir comment elle réclamerait ça. Ça peut être pas une manière douce pour le moment, au début, mais après ça peut aussi être un temps aussi élevé ou pas. Je ne l'accuse pas, mais je me dis peut-être qu'elle aurait aussi dit des mots qui auraient blessé donc la maman de son mari. Mais déjà, la première fois qu'elle a demandé à la date dite, la maman s'est énervée. Oui. Qu'on ne devrait pas lui demander, qu'il fallait attendre d'abord. Mm-hmm. Donc elle a encore laissé passer et lorsqu'ils sont venus en visite maintenant, elle en a profité pour appeler la belle-mère en aparté. Voilà. Je crois que si elle n'était pas bien, elle allait faire ça en même temps. C'est ça, dire ça à son mari. Je dis, maman, c'est le fait qu'elle ait espéré pendant tout ce temps. Moi, je trouve que voilà, she was like, elle était over. Tu penses qu'elle a perdu patience? Peut-être qu'elle a perdu patience. Peut-être qu'elle a glissé des mots qui étaient trop. Mais tout cela n'explique pas le fait que le mari les gifler devant quand même, moi je trouve ça extrême. Devant la maman et l'oncle et tout, jusqu'à ce que... C'est un peu compliqué. Est-ce que, parce que les garçons quand même sont un peu proches de leur mère en général. Oui, est-ce que c'est compliqué quand même quand un homme ne croit pas à sa mère aussi. Hein? Peut-être l'erreur c'est qu'elle ne l'ait pas dit vite à son mari. Voilà. Je trouve que c'est là elle a... Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que, qu'est-ce qu'elle doit faire? Si elle tient à son foyer, je l'ai dit à Félix. Qu'elle aille demander pardon. Qu'elle aille demander pardon. Et qu'elle abandonne l'argent. Pourquoi pas avec son mari, parce que le mari me dit qu'il a... Qu'elle abandonne l'argent. Ben, s'il le faut, s'il faut sacrifier l'argent pour son couple, ben, l'oncle dira peut-être... Moi, je crois que là, ce n'est plus l'argent en tant que tel qui est le problème. Ce n'est plus l'argent en tant que tel. Parce que si c'était l'argent, le monsieur allait lui dire « Prends tes 300 000 et va-t'en. » Mais c'est que le monsieur... Sa femme a perdu de la valeur en fait. Elle a perdu de la valeur aux yeux de son mari. Imagine parce que son mari se dit que c'est une femme qui insulte ma mère. Imagine ce que la maman aurait dit à son fils. Oui, c'est ça en fait. Après. Quelque part, bon, quand j'ai. Pardon. J'ai lu ce message de monsieur Mola. J'ai souri un peu, mais il dit, je crois que c'est un scénario pour, en complicité pour récupérer une partie de la dot. Je ne crois pas. Mais elle dit dans le témoignage, la seconde fois quand elle a demandé, parce qu'eux, ils s'apprêtent à repartir. Mm-hmm. La belle-mère a dit, ok, d'accord. Mais tout était calme, il n'y avait rien. Le lendemain, quand elle est partie faire les courses, la belle-mère a profité à son insu. Voilà, si elle avait vraiment embêté, est-ce que la belle-mère ne va pas appeler directement le mari et autres pour dire assieds-toi, regarde ce que ta femme. Est-ce que même à cause de 300 000 seulement et tout ça, je crois que ce que Félix dit quelque part tient. Oui, ça tient, mais qu'est-ce que la maman a dit au fils? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est à elle qu'elle est responsable de ce que la maman dit à son fils? Oui, mais quelque part, elle est dans l'équation, Félix. On peut pas. Oui, elle est dans l'équation. Si le monsieur décide. En fait, des fois, il faut comprendre et accepter certaines choses. Les gens ne croient que ce qu'ils veulent croire. Le monsieur veut croire sa mère, il veut croire sa mère, quoi. À moins de lui apporter des preuves. Même des fois, vous pouvez lui apporter des preuves comme ça de ce mais que. Mais c'est sa mère. Mais. C'est ça, mais il veut croire. On peut lui montrer. Il va croire que si sa mère lui dit que le ciel est vert, il va croire quoi. Donc, le monsieur veut croire sa mère. Maintenant, si vous êtes à mesure de sacrifier votre honneur, votre dignité, pour rester en couple avec un monsieur qui n'est pas capable de vous croire, n'est pas capable de trancher. Monsieur n'a pas essayé même la conciliation, c'est-à-dire n'a pas essayé de lui dire ok, c'était quoi le problème, comment on peut résoudre ça. Non, il a juste pris parti pour sa mère. Mais l'histoire prise comme ça, d'accord, mais quelque part, si on fouille au fond, moi je trouve qu'on verrait d'autres éléments. Je trouve que peut-être qu'elle a vraiment mal parlé à la belle-mère, mais elle ne nous le dit pas. Oui, moi je trouve ça. Et même ça. Là. Qu'elle a haussé le ton. Et même là, quoi. Peut-être qu'après la gifle, il y a eu aussi d'autres événements qui se sont passés. Peut-être, je suis dans les suppositions. Donc, voilà. Alors, quand on veut tuer, bonjour à tous, pour tuer son chien, on l'accuse de rage. C'est une manière de se débarrasser d'elle après les bienfaits qu'elle a fait. Qu'elle n'aille pas demander pardon, même pas. D'accord.
Alors, bonjour. Pour cette affaire de prêt, je constate que le mari n'aime pas sa femme. Pour moi, il n'est pas question de demander pardon. Je conseillerais à la dame de quitter le mari pour refaire sa vie. Merci beaucoup, monsieur Horacio. Et on a donc, bonjour Nectar. Bonjour. C'est bonjour. Angèle depuis le Bénin. Moi, je ne vais jamais prêter de l'argent à ma belle-mère. Donc, il n'a qu'à marier sa mère. Okay. Ils vont se faire des prêts. Ils vont se faire des prêts. Bonjour Nectar, s'il vous plaît, cet homme n'a pas de respect pour sa femme. Quel que soit ce qui va se passer, il ne doit pas gifler sa femme devant sa famille. Où est le respect de la part de monsieur William depuis Cotonou? C'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai. Alors bonjour à tous, comment prêter de l'argent à ma belle-mère, surtout de nos jours? Cette belle-mère a déjà dans sa tête que c'est l'argent de son fils, mm-hmm. et elle ne va jamais rembourser. Même si cette belle-fille avait insulté sa belle-mère, son mari devrait écouter sa femme d'abord. Mm. Je préfère donner à ma mère. C'est Gloria depuis Cotonou. Gloria, tu as raison. Alors, bonjour, je m'appelle Frédéric depuis Malabo. Je voudrais savoir si elle vit avec sa belle-mère. Non, eux, ils sont dans une autre ville et la belle-mère est ici. Mm-hmm. Elle dit qu'elle attendait, en fait, de venir. De venir la rejoindre pour pouvoir demander. Pour pouvoir, non. Et bonjour à vous tous. Le monsieur est un fils à maman très immature. Pour mon argent, tu me gifles. Je fais appel à ma famille. Elle n'est pas en sécurité. Fais tout pour prendre ton argent. Oui, les temps sont durs. Ah oui, très dur. Ah oui, donc enfin, après qu'on l'ait chassé et tout, elle va appeler ses parents à elle aussi. Quand même rembourser mon argent, même si je quitte le foyer. Même si je quitte. Mais quelque part, on va laisser Bachan intervenir, mais quelque part, quelqu'un a dit quelque chose de pertinent. Peut-être que pour la belle-mère, l'argent, c'est mon fils qui prend. C'est même mon fils, quoi. Mm-hmm. L'argent, oui. Mais je travaille avant de te raconter ton fils. Non, mais oui. C'est lui qui t'a remis. Sous ce temps. Oui. Elle le voit. Et c'est un prêt, c'est pas un don. Même si c'est l'argent de ton fils, tu n'as pas pris cet argent chez ton fils. De tes fils. Voilà. Ton fils, oui. Tu n'as pas pris ça chez ton fils. Mm-hmm. Peut-être que ton fils a gardé l'argent chez la femme. Maintenant, le mari. La maman a convoqué, disons que la maman a convoqué la belle-fille. Dans ce genre de situation, vous voulez convoquer une belle-fille parce qu'elle a manqué de respect à ta maman. Moi, je crois que vous devrez aussi faire... C'est Félix qui se balade. Vous devrez aussi faire venir... Il me manque de respect. Vous devrez aussi faire venir un membre de la famille de la femme. Avant que le mari ne réagisse. Avant l'assise. Normalement. Maintenant, elle rentre, vous l'accueillez et puis tu la gifles. C'est pas du tout bien. Moi, je crois que ce foyer n'est pas bien pour cette fille, mm-hmm. pour cette femme. Elle est en danger. Elle doit quitter. Mais pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Elle est en danger. Il a accepté payer une dot, et l'épouser. Oui, c'est déjà gâté. Mais c'est où la maman? Est-ce qu'on ne peut pas ouvrir les yeux du mari sur le comportement de sa maman? Même est-ce si, qu'elle peut pas? Même si aujourd'hui... Il doit y avoir des messages. Même si aujourd'hui... Des preuves. Même si aujourd'hui... La femme abandonne les 300 000. Elle ne vivra pas heureuse dans ce foyer. Mmh. Jamais. Ah bon? Oui. La maman a déjà pris sa décision. Et son fils le suit. Le fils suit la maman. Donc, même l'oncle est aussi dedans. Elle ne peut plus vivre heureuse là-bas. Mais c'est à elle de prendre une bonne décision. Donc oui. Tu conseilles qu'elle laisse l'argent aussi, qu'elle ne réclame pas. Quelle que soit sa décision, si elle abandonne l'argent aussi, elle ne vivra pas heureuse là-bas. Si elle réclame l'argent, elle reçoit l'argent, elle ne vivra pas heureuse. Ah. Bon, oui. Si elle part, est-ce qu'elle peut réclamer l'argent? Si elle part, si elle décide aujourd'hui de quitter, elle peut aller les convoquer quelque part si elle tient à son argent. Mm-hmm. Dans le cas contraire, si elle part, elle peut aussi oublier l'argent.
sinon c'est pas du tout bien. Situation. Est-ce que sa famille est au moins au courant de ça? Parce qu'il faut mettre la famille au courant, elle pourra avoir aussi un poids d'abord, derrière. D'abord, tu prêtes l'argent à ta belle-mère. Et tu ne dis rien à ton mari. Au retour de ton fils et de ton mari. Tu le dis en même temps. Informe ton mari. Mais tu sais, Bachana, des fois, quand on est dans le foyer et ta belle-mère, quelqu'un qui vient, ta belle-mère vient te demander, c'est comme un acte de confiance. Et toi, tu te dis, vous voulez créer des liens. Non, c'est mes femmes. On veut toutefois créer des liens. Maman a raison. Mais vous savez, je ne refuse pas qu'on veuille créer des liens avec nos belles-mères. Ça se fait, la base se crée avant de rentrer dans le mariage, ok? Il le faut. Maintenant, quand tu rentres dans le mariage, on ne refuse pas qu'il y ait la confiance. Mais ma belle-mère ne fait pas mon argent que je mets dans la poche, ne fait pas l'argent que mon mari ramène à la maison. Et de deux, je vis à la maison avec mon mari. Ces 300 000 là, mon mari sait que j'ai les 300 000. Je les fais sortir. Je ne sais pas si quelque chose va l'arriver, il va venir me demander. Non, je ne sais pas. Mais non, je fais sortir les 300 000, je donne à la mère de mon mari. Chérie. Pour que tout le monde puisse comprendre, en fait. Aujourd'hui, quand tu n'étais pas là, c'est comme ça, j'ai dû donner 300 000. J'ai dû prêter 300 000 à ta maman, c'est ce qu'elle a dit. Mais en même temps, il fallait aussi avertir le mari avant de donner à la mère. Oui, normalement, avertir avant de dire. Parce que le mari est censé connaître, en fait, le caractère de sa mère. Si elle allait te rembourser ou pas, là, te dit ça au départ, chérie, c'est une bonne idée, ok, tu peux aller. Ce n'est pas une bonne idée, il faut pas le faire. C'est ce qui énerve le mari finalement. C'est pas un mari. Le monsieur n'est pas un mari qui cherche à connaître le caractère non, de sa maman. Non, il cherche pas, c'est dans ça le truc. Dans ce cas-là, parce que tout ce que la maman dit, le monsieur accepte. Qu'est-ce qu'on lui a il dit n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'on lui a dit fils, c'est ça la question. Il n'est pas prêt à connaître le caractère de sa maman. Ce qui veut dire que même si on lui apporte la preuve du contraire, il s'en foutra. C'est ça. Il ne va pas changer. Il ne va pas changer. C'est pas catholique. Alors bonjour, vraiment c'est un manque de maturité de l'homme. Aujourd'hui, même si la dame a dû manquer de respect à la belle-mère, l'homme doit attendre la version de sa femme avant que la dame aille demander pardon à la belle-mère si elle aime son mari. C'est sagesse depuis le Gabon. Merci beaucoup. Merci. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Pour cette dame, la seule erreur qu'elle a commise, c'est qu'avant de prêter l'argent à sa belle-mère, elle devrait informer son mari. Mais on croit l'histoire telle que racontée, le mari semble avoir marre de sa femme et chercher une occasion pour se séparer. Il y a ça aussi. Alors, il profite juste, c'est Agouda depuis Adeti Kopé. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Si elle dit comme ça, elle rencontre... Bon, là c'est compliqué, on n'a pas compris le message. Le livre. Bonjour Nectar, c'est Christopher depuis Cotonou. Joyeux anniversaire à Monsieur Elias. Merci beaucoup. Il vaut mieux dire en même temps à son mari avant que cela ne soit tard, sans avertir sa belle-sœur. Ça c'est le premier témoignage. Et quel que soit le cas, le mari ne peut jamais mettre la main sur sa femme, qui plus est, encore devant sa mère. C'est complètement dévalorisant pour son épouse. Oui. Cela peut l'emmener à prendre la décision de quitter le foyer à raison. Du côté de la femme aussi, je l'aurais conseillé de ne plus réclamer de tels prêts les fois à venir. Si ta belle-mère ou un beau-parent te demande de lui prêter de l'argent, il vaut mieux lui donner la moitié ou ce que tu peux lui remettre sans reprendre. Réclamer le remboursement d'un prêt à sa belle-mère est très risqué et plein de conséquences. C'est compliqué. On en apprend. Bonjour à vous tous. Bonjour. Cette histoire, vraiment, elle ne finira pas. On nous enseigne que nous devons respecter nos beaux-parents. Moi, c'est mon beau-père qui, à chaque fois qu'il me voit, je dois lui faire une bière. Si tu lui donnes 5 000, il va te dire « bois et vois ». Donc c'est tout. Quoi et voix. Et à chaque vendredi, il m'écrit, il m'inbox. Dieu. Ma folie. Je suis désolée. Que soit la teneur. Alors, je ne sais pas, on ne va pas faire de publicité, mais nous connaissons la téléphonie mobile Jaune Rouge, qui vient de sortir une appli.
et qui envoie des messages par rapport à l'appli. Alors, le beau-père, chaque vendredi, envoie le message de l'appli aux gens en lui disant de regarder et de faire quelque chose. Ok, de suivre en fait les comptes. Voilà, voilà, vous comprenez, non? Donc, à chaque fois, je lui envoie. J'ai essayé pour les 2 mois passés de totaliser tout ce que j'ai pu donner à mon beau-père. Je suis dans 175 000. Ah, ben attendez. En petit, petit. Eh ouais, en petite coupure. Elle est une banque alors. Quoi? Et quand j'essaie de discuter avec mon épouse, elle me dit que son... Ok, c'est le père de sa femme. Mm-hmm. Elle me dit que son papa est un homme très gentil et que s'il s'intéresse à moi, c'est parce qu'il m'accepte bien dans la famille comme son fils. Ah, c'est ce que tu disais par rapport voilà, à l'acceptation. Créer des liens. Il se dit qu'il veut créer des liens avec le beau-père. Alors, le prêtre Victor dit que la madame a raison, que ce sont des choses qu'il faut faire. Madame, quoi? La femme a raison. Adjao? Avant de te marier, il faut créer des liens. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut? Comment? Avant quoi? Non, n'écoute pas ce qu'il a dit. Oui, mais là, bon. N'écoute pas ce qu'il a dit, non? On va. Qu'est-ce non, mais, qu'il... Il faut le faire. Hein? Non? Oui, maman? Non. Mais comment, Batiana? On dit dans 2 mois, ça fait quoi? Presque 200. Il faut savoir arrêter tout ça. Oui. C'est ça, c'est ce genre de choses ne peut pas s'arrêter. Oui. Quand la personne vient te demander directement une grosse somme, d'accord, mais son énorme, donne-moi 5 000. Donc oui. Chaque semaine, oui. Il y a des jours où il faut faire exprès. Il y a des jours où il faut faire exprès. Même si tu as de l'argent, il y a certains jours, il faut dire non. Ah, c'est difficile pour moi. Je n'en ai pas. Bon, la prochaine fois. C'est pas tous les jours, on en a. Si le mari en a les moyens. Est-ce que c'est si le mari, si non. Tu n'es pas obligé. Si le mari a les moyens, mais il n'a pas cherché son argent pour vous quand même. Il n'a pas cherché son argent pour vous. Bien sûr, il a épousé votre fille, mais c'est pas ça. C'est de l'escroquerie. Non mais c'est des plus, c'est de l'escroquerie. Ah, Elias, c'est très. C'est d'autant plus difficile. Tu es beau père, un homme là. Es beau père. Il faut respecter ta position. Voilà. Beau-père, il faut respecter ta position. Non, mais je vois ce qu'il dit. Au moment de la dot, tu n'as pas dit je viendrai vers à ton beau-fils que c'est comme ça. Ça fait partie de la dot. De la liste. Tu ne l'as pas dit. Comme quoi, chaque semaine, il y aura versement. Non. Si maman, au moment de la dot, tu avais dit ça. Bon. Par semaine. Oui, mais c'est si bien c'est que tu n'es pas obligé. Si c'est lui-même qui prend une décision, chaque semaine, il envoie de l'argent à son beau-père. Voilà. Là, d'accord. C'est personnel. Je suis d'accord. C'est que le monsieur en a marre. C'est pourquoi il expose le problème aujourd'hui. Donc, la prochaine fois qu'il envoie le message de l'appli, qu'il lui faut pas. Il est ingénieux, c'est demain. C'est demain le vendredi. Faut pas toujours se plier à la demande de ce monsieur. Un jour, le jour où il n'aura pas à lui donner, il y aura problème. Donc, il faut commencer par alterner. Soit aujourd'hui tu lui donnes, demain tu dis non. Deux fois tu ne donnes pas. Oui. On a ce message qui nous vient du Mali. Bonjour la famille. Bonjour. Je suis professeur en sociologie. Ok. Ah, ok. Et d'accord, on ne va pas aller autant dans les profondeurs. Au début du mariage, j'avais prévu de l'argent de poche pour mes beaux-parents. Mm-hmm. Ensuite, lorsqu'il y a eu comprenez la guerre et tout ça, les choses ont commencé par devenir un peu difficiles. C'est compliqué. Et je ne donnais plus. Au compte-gouttes. Et pendant toute cette période-là, c'était même difficile pour ma femme et moi et nos 4 enfants de pouvoir vivre comme avant. Mm-hmm. Est-ce que vous savez que ils ont promis ma femme à un Nigérien? Ma belle-mère a essayé de faire partir sa fille à Niamey. Heureusement que c'est parce que ma femme m'aime qu'elle est restée. Waouh. En fait, À cause du moment difficile qu'elle a traversé. Ça ne venait plus. Et tout, donc,
ils ont pris la mesure dure. Demain, on va faire un gros sujet mariage. Il faut qu'on établisse les choses. Ouais. Je crois que les beaux-parents. La femme a refusé d'aller, je crois. Oui, la femme a refusé d'aller. Voilà. Ouais. Bravo, madame. Bravo. Oh, les maliennes. Bravo. Bravo, madame. Voilà. Donc, Bachana, je crois que ce que tu dis, c'est vrai. Si le jour où notre ami ne voudra pas donner au beau-père, le beau-père risque de s'énerver. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle, il appelle, il dit « Beau-père, je ne te donne plus rien. » Mais est-ce que la fille peut jouer un rôle? Non, ce n'est pas sa ça. Sa femme, est-ce que la femme dit que c'est parce que le papa l'aime. Elle cautionne son mari, en fait. Son père. Elle dit à son mari. On ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. On ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Je suis d'accord. Toi qui es aussi généreux que toi. Non, on ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Généreux, ce n'est pas... Vous savez, toi, tu n'es même pas généreux. Pourquoi ça il peut, de temps en temps, même si le beau-père n'a pas demandé, il peut l'envoyer de l'argent. Est-ce que le beau-père peut ne pas demander à la nuit où les choses vont là? Vous savez, il a l'habitude de demander. Il a l'habitude de demander les vendredis. Les vendredis. Oui, il a l'habitude de demander les vendredis. Donc, ce jour-là, il est inaccessible. Non. Déjà mercredi. Si tu trouves quelque chose, envoie-lui 1000 francs. Tu l'envoies. Tu anticipes. Et vendredi, s'il t'appelle pour demander, dis-lui que tu n'en as pas le jour-là. Mercredi prochain. Et tu peux peut-être lundi l'envoyer quelque chose. Félicie, mercredi prochain, il sera. Comme ça, tu commences un peu. Mercredi prochain, t'attends. Il a dit c'est le jour qui a changé. Si tu veux, même, tu peux à un moment donné arrêter. Moi, je suis pas totalement arrêté, mais. Non, mais on peut arrêter. Ou essayer de. Il faut lui dire. Moi, je crois que c'est mieux de lui dire. Vous l'appelez, vous lui dites que ça devient pesant pour vous de tout le temps lui envoyer de l'argent. Donc, vous n'allez pas arrêter de l'aider, mais ce sera en fonction de vos moyens. Ça va compliquer la relation. Moi, je trouve toujours que sa femme doit pouvoir jouer un rôle. Mais la femme, normalement, elle est d'accord. Elle doit pouvoir jouer un rôle parce que ça fait partie aussi de ses prérogatives. Quand ton mari est là, il dépense plus de quoi? Presque 200 000 par dans 2 mois. Elle est d'accord. Elle encourage même. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, il faut lui dire. Le dos du mari. Sinon, je ne suis pas d'accord. En fait, c'est un... Dis pas ça. Oui, quoi. Est-ce que la femme a des frères? Voilà aussi. Est-ce qu'elle a des frères qui sont mariés surtout? Ouais. Mais en même temps, ils marient pas. Ils maintenant, combien ses frères envoient dans leur belle famille? Combien ses frères envoient? C'est mieux de régler ça en même temps aujourd'hui. Des petites colères, on gère ça en même temps et après on s'entend que de laisser traîner pour que ça devienne un gros truc. Le jour il va demander, vous allez dire que vous n'en avez pas, il va crier sur tous les toits, que vous ne lui faites rien et tout ça. Régler ça en même temps, calmement. Si s'énerve un peu, ça va passer. Ou bien vous allez régler ça comment? En fait, je comprends. Il va régler ça. Il dit au beau-père, vous savez, chaque fin du mois, je vous envoie tel montant. Point. Et à la fin du mois, il envoie... Non, c'est pas 75 000 par mois, s'il vous plaît. Il dit qu'il a totalisé dans les 5 000, 10 000, sur 2 mois. Voilà. Il avoisine 175 000. C'est ça, je suis en train de dire. Il vaut mieux par mois, tu l'envoies quelque chose. Voilà. Même si c'est 100 000, tu l'envoies chaque mois. Et vous précisez qu'après ça, il ne doit plus rien réclamer. Il a totalisé 175 000. En 2 mois. Mais est-ce que c'est en 2 mois. Si tu l'envoies 50 000 par mois, c'est mieux. Tu ne peux pas passer toute ta vie parce que j'ai épousé sa fille. Toute sa vie va commencer par envoyer de l'argent comme ça. Faut pas exagérer quand même. Non, faut pas exagérer, c'est de l'escroquerie. Tu ne dis pas son monsieur, nom. Les messages de ce matin, vraiment, écoutez, je crois que tout est dit, cher ami. Beaucoup de courage et essayer de trouver une manière diplomatique
de discuter avec votre beau-père, d'inclure votre femme, parce que votre femme doit comprendre que bientôt, votre foyer, peut-être vous allez avoir des enfants, vous devez investir, vous devez faire des choses. Donc, il faut inclure également votre femme pour qu'elle sache parler. Il a envoyé un message, mais bon, on est à la fin des témoignages. La femme est fille unique. Alors, pour savoir comment donc pouvoir parler à papa, et peut-être comme le dit Bachana, voter un quota, un petit montant pour, 5 000. De 5 000 par mois. Si moi, je suis ta belle-mère, tu me donnes 5 000 par mois. Ou carrément acheter des vivres. Et le père, amener ça pour les vivres. Vous achetez les vivres, vous achetez 10 000, 20 000. Papa ne veut pas vivre. Il va être attiré par l'argent. Il veut l'argent. Oui, mais en fait, je crois qu'au fur et à mesure, il va comprendre que vous ne pourrez plus. C'est une stratégie. Je n'ai pas utilisé la question, mais ce n'est pas bien. C'est les vendredis. Voilà, c'est pour le week-end. Ah, Malimé. Alors, merci infiniment pour tous les messages. Vous en avez envoyé énormément et ça va être compliqué. On ne peut pas tous les lire. On reviendra sur les témoignages la semaine prochaine ou alors demain, comme je vous le dis. On retrouvera donc des personnes ressources pour parler également de relations de couple. Mais pour l'heure, très chers amis téléspectateurs, après le spot qui va suivre et qui annonce donc cet événement qui démarre aujourd'hui dans la ville de Lomé, au Palais des Congrès plus précisément, nous sommes allez, l'équipe Nectar, donc tendre notre micro au pasteur Ivan Castano pour qu'il nous explique un peu ce qui se passera lors de ce thème-là. Suivez plutôt cet élément. Vous souvenez-vous, en 2019, du grand séminaire sur le thème « Comment rendre l'impossible possible ?» Eh bien, cette année encore, l'église Impact Centre Chrétien Togo et tout le corps de Christ au Togo accueillent le pasteur Ivan Castanou, pasteur principal des églises Impact Centre Chrétien, pour un séminaire spécial sur le thème « Conquière ton héritage, enfante ta destinée ». Ton destin, c'est de briller dans le monde. Quelle bonne nouvelle ! Je pense au Palais des Congrès de Lomé du 11 au 14 août 2022. Alors, maman, papa, jeune, enfant, venons tous des quatre coins du Togo et ses environs répondre présents à cette rencontre divine. Assurément, notre Dieu veut faire du bien à nous et à notre nation. Alors, une date du 11 au 14 août 2022, à un lieu, Palais des Congrès de Lomé, un orateur, le pasteur Ivan Castanou. Ça sera un temps d'enseignement, mais aussi de prière. Alors, de quoi il s'agit? En fait, ce qu'il y a dans mon cœur, c'est de voir le peuple de Dieu prendre conscience du fait qu'il a un héritage. L'héritage parle de ce que Dieu nous a donné. Et la plupart des gens ont un héritage. On peut avoir un héritage et vivre comme un déshérité. Okay? Donc, il faut déjà prendre conscience de ce qu'on a un héritage. Pour nous qui avons donné notre vie à Jésus, on a un héritage. Et celui qui n'en a pas, un héritage spirituel et qui commence, qui a été acquis dans l'invisible et qui doit être manifesté dans le visible. L'héritage de la vie éternelle, l'héritage de la faveur divine, de la santé divine. C'est le package de la rédemption. À la rédemption, à la croix, Jésus nous a donné un héritage. Maintenant, ce n'est pas tout de le savoir. Encore faut-il en être conscient et puis le vivre. Vous voyez, il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et pour qu'elle ait en abondance. Donc le Seigneur est venu nous donner une vie, pas une religion. Jésus n'est pas venu donner aux gens une religion. Les religions, c'est l'emballage que les hommes ont inventé, et puis ils ont donné aux êtres humains. Voilà. Dieu n'est pas religieux. Jésus n'a pas apporté une religion. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'héritage dont on parle, c'est une vie, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu n'est pas censée être une vie après la mort. C'est une qualité de vie qui commence maintenant, qui commence dans l'esprit, qui doit se répandre dans l'âme et impacter notre corps et tout notre environnement. C'est la vie divine, c'est la vie surnaturelle. C'est cette vie que Jésus est venu nous donner. Vous voyez? Et quand on propose l'évangile de cette manière-là, il y a beaucoup de gens qui ont envie de changer de vie. Parce qu'ils en ont marre d'une vie d'oppression, de compression, de dépression, d'écrasement, de misérabilisme. Le thème a pour objectif de faire prendre conscience aux gens qu'il y a une autre vie qui est possible dès maintenant sur la terre et qui se perpétue dans l'éternité. C'est cette vie que Jésus, elle comprend plusieurs ingrédients.
Elle commence à l'intérieur, elle commence dans le cœur. Et puis elle se reflète à l'extérieur. Et je disais donc, la plupart des gens n'en sont pas conscients. Et puis après, ils ne savent pas comment on fait pour la manifester. Et cette vie, en fait, manifester cette vie, ça fait partie de notre destin. On n'est pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Chacun d'entre nous est venu sur la terre porteur d'une mission. Parce qu'il y a deux choses qu'on ne choisit pas dans la vie. La première, c'est sa famille. La deuxième, c'est le but pour lequel on vient. Le but, il est imposé. Okay. Un oiseau ne peut pas dire, moi, je décide de marcher. Non, il a été créé pour voler. L'autre personne ne peut pas dire, je décide de courir. Non, le but est imposé par le créateur. S'il y a une créature, c'est qu'il y a un créateur. Et donc, l'objectif du séminaire, c'est de mener les gens à prendre conscience, à découvrir qu'il y a un héritage, et cet héritage, pour s'en emparer, ben, il y a des combats, il y a des forteresses, il y a des raisonnements, il y a des systèmes de pensée. Les pires ennemis de l'être humain, ce sont les forteresses, ce sont des systèmes de pensée qui ont été construits en chacun d'entre nous depuis notre enfance et qui nous empêchent en fait de nous déployer pour aller manifester ce que Dieu nous appelait à manifester, la vie que Dieu nous appelait à manifester, le destin. Voilà. Quand on parle du but, on parle du destin. Donc en fait, en fond, ta destinée, ça signifie simplement accomplir le but pour lequel tu as été créé. Refuse d'être une photocopie des autres. Arrête de toujours vouloir y ressembler aux autres. Tu es un chef-d'œuvre unique, ton empreinte prouve que tu es unique. Et si tu es unique, c'est parce que tu as une contribution unique que tu es censé apporter sur la terre. De quoi s'agit-il? Comment je fais pour le découvrir et pour le manifester? Et c'est quand quelqu'un veut manifester son destin, c'est-à-dire laisser sa lumière briller, qu'il est combattu de tous les côtés. La plupart des gens ne savent pas s'en sortir. Ils ne savent pas. Donc il y a une partie enseignement et puis il y a une partie prière. Parce que pour ça, bah, il faut exposer, il faut déloger les forteresses, il faut déloger les... Enfin, c'est tout un enseignement. Je veux dire, en 4 jours, on n'aura pas fini, mais au moins on aura, selon la direction où l'esprit nous conduira, je pense qu'on aura fait quelque chose. Mais sinon, mon fardeau, pour faire simple, c'est quelle que soit votre race, votre face, votre grâce et la place où vous avez grandi, vous êtes né pour un but. Vous n'êtes pas né pour accompagner les autres. Et chacun de nous est né pour servir sa génération. Il y a une lumière qui doit briller dans ce monde. Il y a un seul qui doit impacter sa génération. Et mon rêve et mon désir, c'est de voir les gens découvrir et accomplir ce pourquoi ils ont été créés. Bah, ça, c'est vraiment le fardeau que j'ai. Vous voyez? Et on ne peut pas le faire sans Dieu. C'est impossible. On ne peut pas le faire sans Dieu. Le poisson a besoin de l'eau. La plante a besoin d'être connectée en permanence à la terre. Et l'être humain a besoin, pas de prier, d'être connecté à Dieu. C'est plus que la prière. Ouais, parce que beaucoup de gens prient, mais ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas de connexion avec Dieu. Vous comprenez? Quand je parle de connexion avec Dieu, je parle de plus que la prière. La connexion avec Dieu vous emmènera à connaître Dieu, à marcher avec lui, à entendre sa voix, à lui obéir. Et c'est plus que prier. Il y a beaucoup de gens pour qui prier, c'est plus facile qu'obéir à Dieu. Vous voyez? Voilà, c'est de ça que je parle. Et on a besoin de lui pour accomplir le but pour lequel on est venu. Parce que c'est lui qui a mis le but à l'intérieur. Vous savez, j'ai rencontré, je veux dire, au moins 2 types de personnes. Et donc, j'ai rencontré des gens qui sont en prison et qui ne savent pas qu'ils sont en prison. Prisonniers de la colère, prisonniers de l'alcoolisme, prisonniers des pensées impudiques, des voix que parfois ils n'ont pas envie d'avoir. J'ai rencontré, j'ai écouté le témoignage d'une jeune fille de 6 ans qui, depuis l'âge de 6 ans, était prisonnière de l'impureté, de la bestialité. Elle couchait avec des bêtes à 6 ans. Masturbation, c'est de la prison ça. Les gens sont prisonniers du manque de pardon, prisonniers du rejet. Et Jésus est venu pour libérer les prisonniers. Donc ce que je dirais à quelqu'un, c'est qu'en fait, j'ai rencontré 2 types de prisonniers. Il y a des gens qui sont prisonniers et qui ont envie de sortir de là où ils sont. Il y a des gens qui font le mal, qui frappent leurs enfants, qui trompent leurs femmes, des femmes qui trompent leurs maris. Il y a des gens qui fument, qui se droguent, qui sont violents. Mais j'ai rencontré 2 types de prisonniers. J'ai rencontré des gens qui sont désolés d'être comme ils sont. Pour eux, venez au séminaire. Et puis j'ai rencontré des gens qui sont contents de faire le mal, de pratiquer la sorcellerie, d'envoûter les autres, de frapper des gens,
Et puis ils ne sont pas désolés de ça. Mais ils sont toujours prisonniers du mal, prisonniers de vice, mais ils prennent plaisir à faire le mal. Eux, effectivement, je pense que même s'ils viennent, ils vont vomir la parole. C'est pour ça que Jésus a dit, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les religieux, c'est pour les gens qui se sentent pauvres à l'intérieur d'eux, ce qu'on appelle les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, ce sont les personnes qui, à l'intérieur d'eux, reconnaissent leur misère. J'ai rencontré des gens qui sont milliardaires, mais qui sont pauvres, qui en ont marre de divorcer, qui en ont marre de frapper leurs enfants, qui en ont marre de tromper leurs femmes. Je vous assure, je vois ça tout le temps dans mon métier pastoral. Je vois ça tout le temps. Des gens qui, en apparence, sont bien, mais qui, à l'intérieur, saignent. Ils sont des hémorragies internes. Et les gens ne savent pas. Plusieurs vedettes que vous regardez à la télévision, vous pensez qu'ils sont heureux. Vous les voyez, ils font le show, ils font le spectacle. Mais approchez-les, vous allez voir leur vie de misère. J'ai rencontré des gens qui sont des champions, mais qui, après avoir gagné un trophée, sont obligés de se réfugier dans l'alcool, des ivrognes, qui tombent dans la dépression. Ce sont des prisonniers. Et Jésus est venu pour libérer les prisonniers du péché, les prisonniers des voies intérieures, des vices, des systèmes de pensée dont ils n'ont même pas envie, mais qu'ils subissent de force. Eux, c'est ma cible. Parce que l'évangile est une puissance pour libérer ce genre de personnes. Et je peux vous assurer que la plupart des êtres humains sont prisonniers. Mais sauf qu'ils ne le savent pas. Alors, donc je reviens à mon introduction, il y a deux prisonniers. Il y a des gens qui sont attachés, liés, qui ont envie de sortir, de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et puis il y en a, ils n'en ont rien à faire. Ils sont contents d'être comme ils sont. Bah eux, si c'est vous, ne venez pas. Ça ne vous parlera pas. Mais si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, si vous ne voulez pas vivre une vie subie, mais plutôt une vie choisie, si vous désirez manifester le but pour lequel vous avez été créé, parce que je vous assure, hein, demandez à l'oiseau, il vous dirait qu'il ne faut pas l'enfermer dans une cage. Parce que si vous le laissez voler, il vous dira laisse-moi voler. Parce que si tu me laisses voler avec mes ailes, je vais t'enseigner la sagesse de Dieu. D'ailleurs, l'oiseau vous dit, n'est-ce pas moi qui t'ai inspiré la création des avions et des hélicoptères? C'est parce que tu m'as vu voler que tu as fait l'hélicoptère. Vous voyez? L'oiseau se déploie, l'oiseau est heureux lorsqu'il fonctionne comme le créateur a prévu qu'il fonctionne. Et il y a des gens donc, qui vont m'écouter à travers cette émission et qui, au-dedans, savent qu'ils ne sont pas la personne qu'ils auraient dû être, savent qu'ils ne sont pas en train de vivre la vie qu'ils auraient dû vivre et qui ont un désir profond juste de devenir le vrai eux. Alors mon message, c'est pour ce genre de personnes. Donc oui, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais ça sera pour cela. Vous ne serez pas déçus. Tout est dit, hein, donc c'est ce soir que ça démarre au Palais des Congrès et nous sommes tous conviés à pouvoir venir pour entendre de bonnes nouvelles, pour célébrer Dieu et pourquoi pas pour apprendre également comment éviter de prêter de l'argent à nos belles-mères et à nos beaux-pères, on ne sait jamais. Quelqu'un envoie un message pour demander si Bachana était le beau-père, est-ce qu'il serait contre le fait que son gendre lui donne de l'argent? Non, Bachana ne répond pas. Maman connaît déjà la réponse. Je connais la réponse. Et c'est sûr que c'est... Bon, c'est vrai que quand on est de l'autre côté, en tant que belle-mère, on voit les autres différemment. Hein, mais il faut quand même le faire dans le... Il faut savoir le faire dans le respect de la femme de Fébé va venir me donner 350 000, je vais refuser. Pourquoi? Pourquoi tu as refusé? Si tu le donnes pas en prêté. Le fou, pour me léquer, alors... tu n'as pas demandé, on te donne. Tu prends. Mm-hmm. Et toi-même, tu es là, puis l'agent est tombé sur toi. Uh-huh, tu prends. Tu prends. Allez, d'accord. On est avec Félix. Avec... En tant que beau-père, il ne faut jamais prendre l'argent chez... Demander. Si on te donne l'argent. Régulièrement. Envoyer les messages d'appli. Allez, on va retrouver Félix avec lequel aujourd'hui on va s'intéresser
À la mode. À la mode. On avait démarré la fois dernière. Mmh. Aujourd'hui, tu as plusieurs styles sur le plateau, n'est-ce pas? Exactement. Donc, tu vas me décortiquer. Exactement. Alors, si on revient à la définition du style, la définition que j'ai trouvée la plus exhaustive, c'était celle du PSISAF qui dit que c'est l'identité vestimentaire d'une personne. Mmh. C'est ce qui fait qu'on reconnaît une personne. Donc, le style d'une personne est propre à cette personne-là. Maintenant, on a catégorisé, genre, on a créé des groupes. C'est ça, c'est ce dont on parlait la dernière fois, parlant du style des classiques, du street, de l'afro, de l'habillement ethnique. Il y a plein de groupements de styles et donc chacun va, par rapport à son style personnel, se retrouver dans une catégorie. La façon dont Elias s'habille, c'est propre à lui, mais il est dans le groupe de ceux qui s'habillent de manière classique formelle. Il est dans un classique plutôt formel. J'ai un ami que je connais, souvent il porte de jolies choses, mais souvent c'est décousu. Il y a toujours une partie où le fil est parti, il a oublié de recoudre et tout ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un style? Oui, particulier. Si c'est voulu, oui. Voilà, maintenant, si ce sont des accidents. C'est pas accident, pas inadvertance. C'est une négligence. Voilà, des fois, ces chaussures sont un peu. Il faut déjà conseiller cette année de venir voir Félix. Exactement. Je crois que je ne le connais pas encore. Donc, c'est surtout ça. Donc, il faut d'abord trouver son style personnel. Et ce style personnel se retrouve dans une catégorie. Maintenant, la question est comment on trouve son style? That's the right question. Comment on trouve son style? Trouver son style, ça passe par plusieurs étapes. C'est d'abord trouver sa personnalité. Tu vas en psychologie. Mais on a des personnalités changeantes. Oui, c'est ça. Oui, mais il y a forcément des dominances. C'est pour qu'on ne porte pas la même chose tous les jours non plus. Yes. Mais quand on vérifie tout ce qu'on porte, il y a un certain style qui est vraiment... Il y a un fond qui est... à la base, et puis on change certaines choses dessus. Donc, il y a forcément un dominant là-dessus. Donc, c'est trouver d'abord sa personnalité. Quel est mon tempérament? Quelles sont mes caractéristiques? C'est qui suis-je? Ensuite, vous devez vous poser la question de savoir qui suis-je, mais de manière physique. Ça, c'était plus psychologique, c'est-à-dire qui suis-je? Est-ce que je suis introverti? Est-ce que je suis extraverti? Est-ce que je suis joyeux tout le temps? Est-ce que je suis calme? Ça, c'était plus psychologique. Maintenant, qui suis-je de manière physique? Et on revient à la morphologie. Est-ce que je suis mésoforme? Bon. Mésoforme. Mésoforme. Bon, on va dire ça en termes plus simples. Est-ce que je suis mince? Skinny. Est-ce que je suis en forme? Svelte. Est-ce que je suis forme moyenne? J'ai une forme moyenne. Est-ce que je suis corpulent? Est-ce que je suis en forme morphologie O, A, H, V? Donc, trouver sa morphologie. On peut le faire tout seul, mais c'est encore mieux si on est accompagné par quelqu'un qui peut nous voir et nous dire les vérités. Non, Elias est plutôt en H. Oh. H, il est en O. Il a H2O. H. Exact. Donc, il a la forme moyenne. Il n'est pas gros, il n'est pas mince non plus. Donc, il a une forme moyenne. Donc, c'est toujours mieux si on le fait accompagner de quelqu'un qui s'y connaît. Parce que des fois, on se voit dans le miroir et on ne voit que ce qu'on veut voir. On se ment sur nous-mêmes. On se ment par rapport à certaines choses. Tu portes un vêtement. Au fond de toi, tu sais que ça ne te va pas, mais tu fermes les yeux sur certaines choses. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un en face qui soit honnête envers nous. Et ce sont les professionnels de l'image qui peuvent nous dire... Ça, c'est le style Bachana, ça, non? Qu'on vient de voir. C'est un modèle, là. Oui, ça, c'est le style d'Elias. À peu près, c'est... Voilà, ça, ce style-là. Alors, ce style... Good look. Oui, c'est le good look. Ça devient... Ce que Elias porte, c'est le classique, mais européen. Ce style good look devient le classique africain. Depuis quand? Depuis 2 ans. Et ça va rester, je crois. C'est-à-dire que tous les hommes ont au moins un good look dans leur garde-robe. De vrai, en tout cas. Abraham, tu en as?
tu as un good luck dans ta garde-robe? Good luck. Prêtre, non, le prêtre, lui, là, ta soutane. Bachana en a, il l'emporte. Oui. Alors, ça devient classique en ce sens que dans quelques années, ça deviendra la tenue de service. C'est-à-dire, comme la veste l'était avant, ça, cette tenue devient la tenue de service ou qui devient conventionnelle. C'est-à-dire, vous avez envie d'être neutre dans un service, pas super habillé, pas débraillé non plus. C'est la tenue qu'il vous faut. Donc, aujourd'hui, les gens portent ça les vendredis, mais très bientôt, vous verrez des autorités qui porteraient ça les lundis pour aller à des réunions d'affaires. Oui, très, très, très bientôt, parce que c'est très adapté à notre climat, à notre personnalité en tant qu'Africain. C'est très adapté, donc très, très, très bientôt, ça va devenir. Donc ça, ça devient le classique africain. Ce que Elias porte, c'est le classique européen. OK. Et le classique européen, il y a différents degrés. Il y a le très formel, c'est ce que Elias porte. Il y a le très habillé, c'est-à-dire sophistiqué. Là, on mettrait le gilet, avec des fois même les bretelles et tout ça. Ça, c'est sophistiqué. Ouais. Et maintenant, il y a le décontracté. Voilà, ça, c'est le sophistiqué. Il y a le décontracté où on peut ouvrir les boutons de la veste. Oh là là. Voilà. Et ça, ça quitte de décontracter, ça rentre un peu dans le casual où on est vraiment libre, même si on est habillé, on est libre dans ce qu'on porte, on est un peu voilà, libre de ses mouvements. Et donc ça, c'est plus relatif aux jeunes, aux personnes qui ont envie de ne pas être coincées dans leurs vêtements. Maintenant, ensuite, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que j'aime. Ok. Qu'est-ce que j'aime? La morphologie, c'est que quelqu'un va vous voir, un professionnel va vous voir et va vous dire « Les chemises te vont mieux que les tuniques, par exemple. » Les good luck, là, ça ne va pas à tout le monde. Il y a une manière de le faire pour que tout le monde puisse les porter, mais tout le monde ne porterait pas le même modèle. C'est-à-dire, souvent, il y a des détails dessus. On fait de la broderie un peu ici, d'autres font de la broderie au niveau des épaules. Donc, en fonction, si vous avez un professionnel qui vous voit, il vous orientera de quel style de good luck, parce que ça semble être la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Donc, tous les modèles de good luck ne vont pas à tout le monde. Morphologie. Exactement. Okay. Ça, c'est un professionnel qui va vous le dire. Maintenant, il y a ce que vous-même vous aimez, comme par exemple les couleurs. J'aime le bleu. Voilà, vous aimez noir, par exemple, blanc. Donc, il y a ce que vous aimez. Donc, le professionnel de l'image, il va faire la combinaison entre ce qui vous va et ce que vous aimez. On peut pas, si je dis par exemple à quelqu'un conseille CMFA par exemple et veut l'habiller comme Meghan par exemple, genre comme une princesse de Royaume-Uni, d'Angleterre par exemple, c'est joli, mais CMFA n'aime pas. Donc elle sera mal à l'aise dans la tenue. Donc, et si elle veut porter ce qu'elle veut aussi, c'est-à-dire, c'est juste un exemple, hein, elle veut porter des jeans cassés, avec des chemises et tout. C'est comme ça, elle aime. C'est son style. Elle aime, mais peut-être que ça ne lui va pas. Ça ne lui va pas. Je vais dire la vérité. Non, ça lui va quand elle est sur une piste de danse. Oui. Ça ne lui va pas quand elle est sur un plateau de télévision. Oui, donc voilà. Là par exemple, je voudrais qu'elle se lève quand même. Lève-toi mon bébé. She is just magnified. Voilà. Petite jupe en soie. Bon, elle est trop frêle aussi, elle est trop maigre. C'est de la soie. En soie. Oui, c'est de la soie. La jupe en elle-même, En soie. Le tissu. Le tissu est en soie. OK. Petite jupe en elle, en soie. Moi, je crois que c'est bon. Voilà. En dessin fleuri. En dessin fleuri. Avec un corsage vert treillis. Avec un corsage vert treillis qui est toujours, le vert treillis est toujours à la mode. Bien sûr, le vrai treillis. Donc, vrai treillis. Le professionnel va faire la combinaison entre ce que vous aimez et ce qui vous va pour trouver le juste milieu, c'est-à-dire vous trouver des vêtements qui vous vont bien et que vous aimez aussi. Alors, il nous reste une minute, la question que je vais poser, quand tu dis professionnel, est-ce que c'est tailleur, est-ce que c'est les gens qui... Comment
Les designers. Non, pas les designers. Les conseillers en habillement. En habillement. C'est qui concrètement? Parce que là où on sommes aujourd'hui, là, nous, c'est le tailleur lui-même, il dit, et là, Dieu, là. Alors, normalement, c'est le conseiller en habillement qui fait ce travail-là. Il est professionnel de l'image et de la personnalité. Monsieur, là, il est trop fort. Et dans sa formation, il n'a pas seulement des cours d'art plastique, des cours d'art visuel, mais il y a aussi des cours de psychologie pour comprendre les gens. Wow. Okay. Donc en fait c'est pas je suis conseiller. C'est pas le nangbayeur. Tu te lèves le matin, tu dis. Parce que pour le nangbayeur ou le truc, c'est juste visuel ce qu'il fait. Ouais. Mais il touche pas à la personnalité. Il va peut te faire un beau vêtement, c'est joli, mais tu ne te sens pas à l'aise dedans, ou bien tu ne te sens pas toi dans le vêtement. Donc le conseiller en habillement, il fait le juste milieu. Donc ils ont forcément des formations en psychologie, en sociologie, parce que c'est lui qui va te dire, par exemple, si tu es un politicien, il faut porter plus du bleu, par exemple, parce que le bleu, c'est plus aimé. Donc ils ont ces notions-là qu'il va te conseiller en fonction de tes objectifs et de tout ce qui... Donc, ils englobent tout maintenant. Il n'y en a pas beaucoup ici. Et puis, il n'y a pas de formation. Genre, les écoles ne donnent pas cette formation-là ici. Donc, ceux qui sont ici, c'est plutôt les gens qui se sont cultivés eux-mêmes dans ces domaines-là. Ils ont ça dans le sang aussi, hein? Oui, il y a certaines choses qu'on a dans le sang. Il y a d'autres qu'on doit aller lire forcément quelque part et apprendre. Donc, c'est plus des gens qui se sont auto-formés pour la plupart du temps, mais vraiment trouver quelqu'un qui fait ça depuis et qui a une large palette de propositions à vous faire et pour trouver ce qui vous va vraiment, vraiment bien. Ah, ça, on ne le savait pas. Donc, je salue ma couturière. Elle a dit, la chose est bizarre chez moi. Pour que ça change. On va revenir encore dessus parce que le thème est vaste et encore, tu as d'autres questions qui sont encore arrivées. Mm-hmm. Mais nous sommes pratiquement à la fin de l'émission du jour. Très chers amis téléspectateurs, on voudrait dire déjà merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Merci surtout à vous. Vos messages ont été super nombreux, mais on ne pouvait pas tous les lire. Mm-hmm. Beaucoup de courage à nos témoins. On se retrouve ce soir à partir de 18h au palais des congrès de Lomé. Venez tôt, vous-même vous savez. Et puis aussi, on veut dire, mais franchement, monsieur Cathy. Ouais. Non, mais carrément, quoi. Monsieur Cathy. Voilà. Tu es prude, non? Je suis prude. Ton anniversaire, c'est dans la prudue, tu vas faire ça. Alors, on vous aime, on vous embrasse. Merci infiniment à Bachana et à notre prêtre Victor que vous verrez passer sur sa soutane. Voilà. Dans son moteur. Et on se retrouve demain pour terminer cette émission de manière fastueuse. Gros bisous à mon bébé Kevin et Lemdonio également. Et on vous aime, on vous embrasse. Bye bye et à demain. À demain.